Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 10 mars. Allez, c'est parti, on va faire comme hier. On va prendre tout d'abord une carte de l'oracle des voyageurs sacrés pour savoir quelle est l'énergie pour cette journée. Alors, pour mardi, on a la carte du pont. Hein. On nous dit que là, il est temps de guérir, de se connecter, de réparer et de relâcher. Donc, on est bien toujours dans cette énergie de pleine lune. D'ailleurs, on peut la voir ici, hein, qui apparaît derrière le pont. On voit qu'il y a un pont. Donc, ce pont, il nous parle de transition, il nous parle de nouveau départ, il nous parle de quitter un endroit pour aller vers un autre. On nous parle ici d'avancer, on est éclairé, mais pour passer ce pont, il est nécessaire de partir léger, en quelque sorte, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a une transition à faire, il y a un nouveau départ, on part d'un état à un autre, il y a un passage qui se fait, en traversant ce pont, il y a un passage qui se fait. Et en passant ce pont, eh bien, il y a cette idée ici de quitter, de se déshabiller, de se libérer de quelque chose. Donc là, on nous dit il est temps de guérir. Il est important, avec cette carte-là, de prendre conscience que dans nos vies, quelque part, que peu importe le domaine que ce soit, il y a quelque chose à peut-être à réparer. Il y a peut-être quelque chose à laisser partir. Quelque chose qui nécessite en tout cas qu'on s'y attarde. Hein. Donc, suivant notre vie à chacun, hein, on peut avoir effectivement quelque chose à laisser partir. De notre vie sentimentale, ça peut être aussi dans notre vie, dans notre activité. Il y a quelque chose ici qui nous retient. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est cassé. Il y a quelque chose peut-être qui est malade, quelque chose de bloqué aussi, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est ancien, qui ne nous convient plus, quelque chose que l'on doit laisser partir. Et avant de prendre ce pont, avant d'aller vers cette nouvelle destination, il est important de réparer les choses, de faire les choses bien. On passe d'un état à un autre, on va vers un nouveau chemin, mais avant d'emprunter ce nouveau chemin, il est nécessaire de laisser l'ancien derrière soi, tout simplement. Hein. Donc aujourd'hui, avec cette lumière ici et cette pleine lune sur la carte, cette idée de mettre en lumière tout ce qui doit être réparé, tout ce qui doit être laisser aussi tout ce qui doit être libéré. Ça peut être une parole libératrice, ce sont aussi peut-être des larmes libératrices, une prise de conscience, laisser venir à soi certaines choses qui doivent remonter aussi. Voyez comment vous avez l'habitude aussi de libérer ce qui vous pèse. En tout cas, on nous parle ici, voilà, c'est peut-être pardonner à quelqu'un, se réconcilier avec soi ou avec une personne, prendre de nouvelles habitudes. Accepter ce qui se présente aussi, puisqu'on voit qu'on est face à un pont. De toute façon, il va falloir passer ce pont. Ce pont, c'est une étape dans notre vie et c'est une étape de guérison qui est peut-être nécessaire aussi. Allez, on va continuer comme hier avec une petite carte de nos anges. Un petit message des anges qui va nous faire du bien. Cette période un petit peu lourde. Alors, eh bien, la carte est tombée toute seule, donc on va la garder. On a la carte, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Oui, là on est vraiment ici dans l'idée surtout de, je pense, pour beaucoup, de libérer des croyances fausses, de libérer des peurs, de libérer un manque de confiance en soi. Parce que ici les anges nous invitent à profiter tout simplement. On a la chance d'être incarné, on vient ici sur Terre pour expérimenter. Et je pense qu'on est capable aussi de beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. On pense souvent, ça me fait penser au cerveau, souvent le cerveau humain est sous-estimé. On est capable de faire des choses inexplicables même par la science et on s'en rend même pas compte parce que
On ne prend pas conscience de notre pouvoir, de notre capacité. Et là, c'est un petit peu ça, de manière plus globale. On nous invite vraiment à profiter. On a un corps ici, on se limite. On se limite physiquement, on se limite dans nos élans créatifs, dans nos envies. Non, 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 non. On est tous capables, on est tous. Comment dire, on a tous ce pouvoir de manifester les choses et puis non, parce qu'on se limite et qu'on a peur et que la société veut aussi nous un petit peu nous limiter, hein, l'entourage est frileux ou bien c'est des refus qui vont être administratifs, etc. Et du coup, on va plus écouter ce négatif-là que cette petite flamme, cette petite, ouais, la lueur de la passion qui va être en nous. Donc là, on nous dit non, les anges nous disent, tu es venu ici, sois fier et heureux d'être vivant. Hein? Garde aussi cet optimisme, sois dans la gratitude aussi. Hein? Accueille ce que tu as, sois heureux de ce que tu possèdes déjà. C'est déjà beaucoup. Hein? Donc là, on nous invite vraiment, voilà, à pas se prendre la tête tout simplement pour des bêtises. Et puis voir au-delà de ça la chance qu'on peut avoir d'avoir des amis, une famille, même si rien n'est parfait. Hein, on le sait bien, personne n'est parfait et personne n'a de vie parfaite. Hein, mais de ne pas se focaliser sur les petites choses qui ne vont pas et au contraire de nourrir tout ce qui va bien déjà. Donc cette carte, elle nous parle vraiment de gratitude, de loi d'attraction, d'être dans des énergies positives, d'élever ses vibrations tout simplement, hein, de vivre, d'être heureux de vivre tout simplement. Voilà. Allez, on va continuer avec le divinôme. On va prendre comme hier, donc trois cartes qu'on va utiliser en prédictif. Alors, on en a deux qui tombent. Je laisse admirer leur message. Il a 33. Alors. Alors, avec le divinôme, on a comme énergie. Alors, il me semble que la 4 est déjà arrivée hier. Alors, la 4, on va nous parler de communication, de nouvelles, de correspondance, d'échange. Alors là, ça peut être partout, voilà, par tous les moyens de communication possibles. En tout cas, ça va être une journée déjà d'échange. On va peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un ou bien d'un dossier, d'une situation, quelque chose que l'on attendait. On va être dans la communication, il y aura peut-être des rendez-vous, des coups de fil, des démarches à faire, hein. Ou alors ça va être eh bien des réunions, des rendez-vous. Alors on va être entouré de monde, on va parler, on va se présenter, on va exposer des choses. Voyez comment ça peut résonner en vous, hein. Alors, la carte 3, elle nous parle de la famille. C'est une carte qui construit. Donc, on est en train de construire quelque chose et on communique par rapport à ça. Il y a beaucoup d'échanges par rapport peut-être à la construction d'une relation ou ça peut être aussi un projet familial. Ça peut être en lien aussi avec vous, hein, avec quelque chose que vous êtes en train de créer, une activité, pourquoi pas, hein, une nouvelle activité. Et la carte numéro 33. Elle va nous parler de rivalité, de jalousie. Hein. Donc, il est possible que par rapport à nos projets, on rencontre des difficultés qui soient liées peut-être à des jalousies, à des gens qui vont peut-être voilà, protéger ses idées aujourd'hui. C'est peut-être ouais, ce que j'aurais envie de dire. Faites attention. Certaines personnes dans l'entourage, parce qu'ici on est dans la communication, donc quand on communique, bah forcément c'est pas tout seul, c'est avec les autres. Donc dans son cercle ici, que ce soit familial, social, professionnel, il y a peut-être des gens, ce que j'appelle les vipères, voilà, qui sont là un petit peu, soit pour vous empêcher un petit peu de progresser, soit pour jalouser un petit peu ce que vous faites. Ou qui vont peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, ne vous limitez pas. Peut-être que ces personnes vont avoir un jugement par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Il faudrait pas vous laisser influencer, tout simplement. Moi, je le ressens plus comme une influence ici,
Parce qu'on voit bien qu'en carte centrale, on a quand même la maison, la construction, les projets. On est en train de se construire, on est peut-être en train de s'affirmer aujourd'hui. Voilà, simplement s'affirmer par rapport peut-être à des personnes qui sont en opposition avec ce que l'on est en train de faire. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez comment ça peut résonner. En dos de deck, on a une carte qui nous parle de compromis, de négociation, d'efforts. Donc effectivement, il y aura peut-être besoin de s'affirmer, de comment dire, d'argumenter. Alors ça, effectivement, ça peut être en lien avec quelque chose de juridique, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un conflit à régler avec quelqu'un, où il faudra effectivement s'affirmer, que chacun trouve ses marques, que chacun se comprenne, s'explique en tout cas, pour négocier une situation, pour trouver un compromis. En tout cas, je ressens beaucoup d'échanges, mais en même temps une dualité où il faudra s'affirmer, être sûr de soi et se faire respecter, respecter son intégrité. Donc voilà pour le divinum. On va continuer avec le petit Lenormand. Alors pour ce mardi 10. Alors, on a deux qui tombent. Voilà, je crois que l'étoile est tombée avant. Hop. Bon, c'est plutôt chouette. Ici, on a la réussite sur un projet. On a une sérénité aussi. C'est peut-être aussi le retour du soleil. On l'espère. Et on a les souris. Bon. Ça tempère un petit peu le positif et en dos de deck, on avait les nuages. Donc, pour moi, il y a une éclaircie qui se fait. Il y a quand même une avancée qui se fait par rapport à un projet, hein. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui se décante. On retrouve peut-être notre force, notre charisme, c'est ce que je ressens, c'est une affirmation de soi. Aujourd'hui, on va avoir envie de s'affirmer. On reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête, on a envie de défendre ses intérêts, c'est ce que je ressens. C'est un charisme, une énergie, un dynamisme aujourd'hui, une motivation, voilà, motivation par rapport à la réalisation de ses projets. Et même si aujourd'hui, il y a les petites souris, c'est-à-dire que les souris, c'est quelque chose qui va un petit peu nous freiner. Donc ces souris, ça peut être effectivement des retards administratifs, des personnes qui vont se mettre sur notre chemin, qui vont être en désaccord par exemple. Eh bien, j'ai l'impression que rien ne pourra nous arrêter, hein. Et que de toute façon, tous les petits tracas aujourd'hui, finalement, eh bien, ça va être provisoire, hein. Les nuages, ils ne font que passer. Donc, on va vraiment tout faire pour que concrétiser ce qui nous tient à cœur finalement, hein. Et de toute façon, ça nous dit que les choses vont s'arranger en fin de journée avec les étoiles, ça nous parle de la soirée. J'ai l'impression qu'il y a l'éclaircie qui se fait. Donc aujourd'hui, on va vraiment peut-être avoir besoin justement de rester optimiste, de rester dynamique par rapport aux petits tracas qui peuvent arriver. Mais ça, il n'y a pas de journée parfaite. On ne peut pas avoir. Voilà. Ou alors, il faut rester chez soi parce que dès qu'on sort, on est forcément compromis. Et dès qu'on se lance dans quelque chose, on est forcément confronté à des situations, à des retards, à des blocages, à devoir négocier, devoir s'affirmer. Il y a aussi l'univers qui nous demande aussi parfois qui nous envoie des situations juste pour qu'on soit sûr de notre choix aussi, hein. Parfois on est un petit peu en quelque sorte testé aussi. Donc là, on va nous demander au contraire de rayonner comme ce soleil. Ce soleil, moi, ça me parle de réussite, de joie, de bonheur, d'optimisme. Aujourd'hui, je le ressens comme une carte qui nous invite à rester motivés, à rester dans une dynamique d'action, à rester vraiment, à garder le sourire, même si effectivement, voilà, on peut recevoir une facture, on peut recevoir voilà, des mauvaises nouvelles, des petites contrariétés, mais c'est jamais rien de grave, hein. C'est pas la croix, c'est pas le cercueil. Là, on est vraiment avec les souris et les nuages, on sait que ça va passer. C'est des petites choses qui font partie de la vie, qui font partie du jeu en quelque sorte. Oui, effectivement, on sera toujours confronté à quelqu'un qui va nous contredire, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans la motivation, on est dans le dynamisme, on se défend, on s'affirme surtout et on se dit que de toute façon, les petits soucis sont passagers. Voilà. Et qu'en ayant la pêche, en étant motivé, en faisant les choses avec le cœur, on arrive toujours au bout des choses, tout simplement. Donc voilà pour ce mardi. Allez, on continue. On va prendre une petite pierre. Alors, pour aujourd'hui, on va prendre le quartz.
la malachite et la labradorite. Voilà, je voulais choisir entre ces trois pierres et pendant ce temps, moi, je mélange. Alors, je suis désolée pour la voix, j'ai encore une voix de canard, hein. Je suis encore un petit peu enrhumée. Mais ça va, ça ne m'empêche pas de parler, c'est le principal. Allez, c'est parti. Donc, pour le quartz, pour la malachite et la labradorite pour finir. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour le quartz. Alors, ici, on va nous parler effectivement de renouveau. Hein. On voit qu'on a, comment dire, il y aura ouais, de renouveau, c'est surtout de rester motivé. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a effectivement la carte du cercueil, c'est pas une très bonne carte, effectivement. C'est une énergie ici de renouveau, de quelque chose qui se termine. Mais pas forcément dans le confort. Hein. C'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi. C'est qu'il y a une histoire un petit peu de fatalité. Donc effectivement, on va nous demander de rester dans l'espoir, de rester motivé, de garder notre motivation, même si actuellement on vit une période un petit peu difficile de transformation. Si actuellement vous êtes dans une étape ici où c'est un peu chaotique, où ça bouge, ça secoue pas mal, où il y a des choses qui se terminent, vous prenez un nouveau départ, mais pour l'instant c'est un petit peu incertain. Voilà, restez avec cette énergie du soleil, restez motivé, restez tout simplement lumineux. Voilà, croyez en croyez en la suite des événements. Voilà, là c'est peut-être un peu difficile, vous êtes encore un petit peu dans l'ombre, vous voyez peut-être pas le bout arriver, vous savez pas trop où vous allez, c'est encore un peu compliqué, c'est pas forcément facile, mais restez motivé parce que le soleil c'est quand même la meilleure carte du jeu. Donc même si il y a quelque chose ici qui est encore un petit peu pas clair, qui n'est pas clair, qui est instable dans votre vie, quelque chose qui se termine, ça peut être au niveau, peu importe le domaine, hein, il y a quelque chose ici d'un peu inconfortable, restez dans l'accueil, dans la joie de ce qui vous attend pour la suite, voilà. Soyez dans l'ouverture et gardez l'espoir, c'est ce que je ressens pour vous, gardez l'espoir si actuellement la situation est inconfortable, voilà. Allez, on continue avec la malachite. Alors, pour vous, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on voit ici que ce cavalier, il vous apporte une nouvelle, il vous apporte un document. Donc, aujourd'hui, il est possible que vous receviez quelque chose. Ça peut être un colis, ça peut être un document que vous attendez, un coup de fil, un mail, un papier important. Hein, en tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous amène. Alors, ça sera peut-être pendant un rendez-vous, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle, en tout cas un contrat, quelque chose ici. Hein. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui vient à vous aujourd'hui, qui concerne un document, un message, ça peut être un colis, ça peut être un courrier, voyez en fonction de ce que vous attendez finalement, en tout cas on voit que ça arrive à vous. Il y a quelque chose ici qui arrive rapidement. Et pour le dernier, alors vous, j'ai l'impression que vous êtes dans des démarches ici. On est dans des démarches administratives. Hein. On attend, on est en train de, voilà, on fait des signatures, on remplit des dossiers, on va prendre des rendez-vous avec une mairie, avec une administration, avec une banque, un assureur. On voit que vous êtes dans des démarches, ça peut être aussi juridique. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans ces démarches-là. Ça peut nous dire aussi que d'un point de vue plus spirituel, plus personnel, vous êtes dans une démarche aussi d'introspection. Vous êtes peut-être en train actuellement de vous poser des questions, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous voulez donner aussi pour la suite des événements. Mais de manière assez concrète, ici, aujourd'hui, ça va être plus une journée où effectivement, vous allez faire des démarches. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, vous allez prendre du recul, vous mettre un petit peu en retrait. Ça peut être une journée, par exemple, à la maison, au chaud pour lire. Ça peut être ça aussi concrètement, parce que le petit Lenormand, il peut se lire aussi de manière très, très littérale. Hein. Donc là, ça peut clairement nous dire, aujourd'hui, je reste à la maison tout seul pour lire, pour passer du temps un petit peu tranquille. Ça peut être ça. Ça peut être prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Pour réévaluer les choses, ça peut être aussi faire des démarches administratives, avoir un rendez-vous avec un banquier, avec voilà, on est en train de monter un dossier ici, j'ai l'impression.
Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais voilà, ça peut avoir différents sens en tout cas. Donc voilà les amis pour ce mardi. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Merci de m'écouter. Merci pour vos partages, vos commentaires et puis vos abonnements. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.